ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني من لدنك سلطانا مبينا أما بعد يا إخوة الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله منها أما بعض يا إخوة الكرام نستأنف دروسنا في هذا الكتاب العظيم منهاج النبوة الذي ألفه الإمام المعاصر إمام من أئمة أهل السنة والجماعة محمد سعد الرسلان أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يثبته إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى طيب فقد درسنا ودخلنا في باب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر فقد رأينا عدة أمور التي تتعلق بهذه المسألة العظيمة ووصلنا إلى قول المؤلف أو ذكرنا أخيرا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصفحة 80 بعد 200 حيث يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهما قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة نعم donc je disais mes frères que nous étions dans la continuité de ce chapitre de ce livre qui a été rédigé par Mohammed Saad Raslan Hafidallah tabarak wa ta'ala qui traite des fondements du minhaj. Et nous étudions en ce moment un point très important qui fait partie des fondements de l'islam, mais des fondements de la sunna ou des gens de la sunna, qui est l'attachement au groupe des musulmans et l'obéissance et l'écoute au gouverneur. Bien sûr, en impliquant pas une désobéissance d'Allah, tabarak wa ta'ala. Nous étions arrivés dans ce chapitre-là à la parole d'Ibn Abbas. Nous avions fini le dernier cours par la parole d'Ibn Abbas où il disait justement, concernant l'attachement au groupe, il disait que grignoter le sel... Mais dans le groupe avec le groupe des musulmans, mais préférable plutôt que de manger al-falouzaj dans la division et dans la dissension. Non? Donc ceci c'est une parole qui a été rapportée par l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman bi isnadin sahih. طيب. الآن ندخل في مسألة جديدة. مسألة تتعلق بما نحن في صدده الآن. ألا وهي النصيحة لولي الأمر. Donc nous rentrons inchallah dans une nouvelle problématique. Chose aussi qui nous concerne tout particulièrement à notre époque, puisque beaucoup de musulmans n'observent pas les règles de l'islam concernant al-nasiha qui doit être prodiguée ou donnée au gouverneur. D'accord ? Donc ils ne respectent pas tous les principes religieux concernant al-nasiha et il s'ensuit au final, ou par voie de conséquence, toutes sortes de troubles et de dissensions et de désordres dans la communauté. يقول المؤلف donc on est à la page 280 en bas du livre en bas de la page 280 يقول المؤلف النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين كما جاء عن تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم Akhrajahu muslimun. Donc ici, le mu'allif, l'auteur du livre, ramène un hadith très important qui constitue un des piliers de l'islam au regard des enseignements qu'il contient. Où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la religion, c'est le nasiha. Je ne le traduis pas exprès le terme car il implique beaucoup de choses. Donc le prophète a dit, ad-din al-nasiha, et dans certaines versions de ce hadith, le prophète il a réitéré, il a répété ceci trois fois. Ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha. Il l'a répété trois fois pour montrer de l'importance et pour que les compagnons prêtent attention et écoutent attentivement ce qui va suivre.
Regardez bien ici, dans ce hadith-là, le prophète a dit la religion c'est le conseil, mais il n'a pas dit à qui. Baqi al-amru mubhaman. Al-nasiha lam yu'ayyin al-nabi alayhi wa salam al-nasiha tu liman. Il n'a pas défini le prophète alayhi wa salam à qui est adressé al-nasiha. Il l'a laissé comme ça, mubham. Tout ça pour inciter les compagnons à poser la question. Comme le dit Cheikh Al-Thaymin, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Donc les sahabas, tout naturellement, ceux-là même qui étaient avides de science, ont posé la question. Ils ont dit, « Qulna limen, pour qui est adressée cette nasiha ?» Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « An-nasiha envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants de la communauté des musulmans et envers la masse des gens. » D'accord ? Hadith qui a été rapporté par l'imam muslim, hadith authentique. Alors ici, al-nasiha, mes frères, il faut que je l'explique, inshallah. Car al-nasiha, c'est un terme global sous lequel rentrent plusieurs choses qui sont relatives aux croyances, aux paroles et aux actes. Al-nasiha, pour vous simplifier la chose, comme l'a dit l'imam al-Khattabi, c'est le fait de faire tous tes efforts pour faire du bien à celui à qui tu veux prodiguer une nasiha. Que ça soit une bonne parole, que ça soit faire un acte afin qu'il en tire profit, par exemple donner une sadaqa, faire des invocations pour lui, ou alors avoir le souci pour ton frère. Non, si tu le vois dans des choses répréhensibles, tu ne le laisses pas. Ça aussi, ça fait partie de nasiha. Aussi, avoir une bonne opinion de lui, ne pas médire sur lui. Toutes ces choses-là, lorsque tu souhaites le bien pour ton frère et tu fais des efforts pour que ce bien l'atteigne, c'est ça qu'on appelle al-nasiha. Donc al-nasiha, mes frères, ce n'est pas juste une parole de la langue, comme beaucoup de gens tendent à le croire. Mais al-nasiha, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est pour ceci que, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-nasiha tu lillah, tu fais en sorte de plaire à Allah dans toutes choses. Premièrement, en accomplissant tes devoirs religieux envers lui. En évitant ce qu'il t'a interdit. En appelant les gens à Allah. En lisant son livre, en priant, etc. Tout ça, ça rentre dans le nasiha envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il faut que vous sachiez, mes frères, que al-nasiha en arabe, le sens premier, le sens linguistique du terme, il a une connotation de purification. C'est pour ceci que les arabes disaient « Nasahtu al-asala » J'ai purifié le miel de quoi? De tout ce qui peut l'entacher, comme saleté, comme ce qu'on appelle la cire aussi, shamma. Naam, c'est quelque chose qui n'est pas comestible. Donc quand on veut extraire le miel, il faut enlever toutes ces choses-là. Donc les Arabes, comment ils disent? Ils disent nasartu al-asal, nasartu. Ils emploient ce verbe-là, qui a le sens de purifier une chose. Naam, nasaha, ça veut dire aussi consolider et raccommoder deux pièces d'étoffe entre elles. Comme disent les Arabes, j'ai raccommodé ou j'ai uni deux pièces d'étoffe. En se basant sur ce sens linguistique, on fait la corrélation avec le sens religieux du terme. Effectivement, lorsqu'on dit al-nasihatu lillah, ça implique avant tout la sincérité de tes actes envers Allah et purifier ton cœur de tout ce qui ne fait pas partie du tawhid ou de l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La sincérité envers le prophète, c'est le fait de le suivre lui exclusivement et de s'écarter de toutes les ambiguïtés et de toutes choses qui ont été innovées dans la religion à non-droit. Non, donc tu purifies ton suivi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, an-nasihatu envers le livre d'Allah. C'est le fait de respecter ce livre, de le lire, de l'appliquer, d'être sincère concernant ses injonctions, les recommandations qu'il contient, ne pas le délaisser. Méditer sur ces versets, d'accord? Tout ceci, ça rentre dans le nasiha. فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ نَصِيحًا لِكِتَابِ اللَّهِ فَعْمَلْ كُلَّ هَذَا. Si vous voulez être sincère envers le livre d'Allah et rentrer dans cette injonction prophétique, il faut que vous ayez tout ce comportement envers le livre d'Allah. Mais le prophète a dit aussi, et c'est ça qui nous intéresse ici, le prophète a dit النَصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَمَّتِهِمْ. Wal-Nasiha, elle est aussi envers les dirigeants des musulmans et la masse des gens, le commun des musulmans.
Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la nasiha, pour le bien que tu vas prodiguer envers qui ? Envers les dirigeants des musulmans. Les dirigeants des musulmans se divisent en deux catégories, deux grandes catégories, les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs qui préservent l'intégrité civile, la sécurité dans le pays, qui préservent le sang des gens, le sang, les biens, l'honneur des gens. Tout ça, ça relève de la fonction du gouverneur. Et les savants qui, eux, préservent la charia, le din, la religion, et qui préservent cette religion de tout ce qui est entré en elle et qui ne fait pas partie d'elle. Vous avez compris ? Donc, que ce soit les gouverneurs ou que ce soit les savants, les deux ont une place très importante. Donc nous, on se doit de prodiguer le bien de n'importe quelle façon tant que ça reste dans les limites qu'Allah nous a imposées et autorisées. Al-Nasiha envers les gouverneurs, car c'est celle ici qui nous intéresse en premier lieu, comment elle se définit, comment elle se matérialise concrètement ? Premièrement, c'est le fait que tu reconnaisses que c'est un gouverneur légitime. Que c'est ton gouverneur, que c'est ton sultan, que c'est ton hakim, sur lequel tu dois l'obéissance et l'écoute, tant que ça n'implique pas une désobéissance d'Allah. Sur lequel tu as une bay'a, un pacte d'allégeance. Naam. Nous avions rappelé le hadith du prophète Sassam rapporté par Ibn Abbas, d'après la version de Ibn Abbas rapportée par Al-Bukhari wa Muslim, où le prophète a dit à Sat wa Salam, من راى في اميره شيئا يكره فليصبر ومن فارق الجماعه شبرا ومات مات ميته الجاهليه. Celui qui voit chez son gouverneur quelque chose qu'il déteste ou qu'il a en aversion, qu'il patiente. Et celui qui s'écarte de la jamaa du groupe d'un enfant, ne serait-ce que d'un enfant, et qui meurt, celui-là mourra d'une mort comparable à celle des gens de l'appareil anti-islamique. على الانسان أن يكون مطيعا للحاكم في طاعة الله تبارك وتعالى وأن يكون في عنقه بيعة. نعم, il faut qu'il ait à son cou, comme on dit, le pacte d'allégeance, l'allégeance qui le tient au gouverneur. نعم, c'est très important. Fût-il injuste et oppresseur, il faut déjà le reconnaître comme un gouverneur légitime sur lequel tu dois obéissance et écoute. C'est déjà la première chose. Car s'il n'y a pas ceci, automatiquement, tu vas être amené à quoi ? À te rebeller contre lui, au final. Soit par la parole, comme on l'a vu, soit par l'épée. Aussi, parmi le bon conseil envers les gouverneurs, évoquer ses qualités, les choses bien qu'il a faites pour le pays. Souvent, les gens, lorsqu'ils voient les gens qui n'ont pas la croyance des gens de la sunna, et qui parlent avec leur passion, qui parlent avec haine, et qui voient chez leur gouverneur des choses répréhensibles, ils omettent, d'une manière générale, de citer les qualités. Ils vont citer un ou deux défauts et l'étaler aux yeux des gens et ils vont omettre de citer toutes les choses bien qu'il a faites pour le pays. D'accord ? Ça, c'est du jawr ou udwan. Ça, c'est de l'injustice et de l'oppression à l'endroit, là, envers le gouverneur. Donc, il faut citer les bonnes qualités du gouverneur. Pourquoi ? Car ceci va faire en sorte que les gens vont les aimer pour le bien qu'ils ont fait. Et ceci va, au final, amener à ce qu'ils les écoutent et qu'ils leur donnent une obéissance comme ceci est demandé par les textes religieux. Rappelez-vous cette parole de Abdallah ibn Hukaym. Lorsqu'il a dit « La u'inu ala dami khalifatin abadan ba'da Uthman. Je ne participerai plus à l'effusion de sang d'un calife après Uthman. Faqila lahu awa a'anta ala damihi. Est-ce que tu as participé à ce que son sang soit coulé ?» Il a dit, فَكُنْتُ أَعُدُّ مَسَاوِيهِ. J'évoquais ses défauts aux yeux des gens. Khalifat Uthman, j'évoquais ses défauts aux yeux des gens. فَأَعَنْتُهُ عَلَى دَمِي. Et au final, j'ai aidé à quoi ? J'ai aidé à ce que les personnes se révoltent contre lui et le tuent. Juste par quoi ? Par la langue. بِذِكْرِ الْمَسَاوِي. Juste en évoquant les défauts. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela, il a fait cela. Alors que Uthman ibn Affan, Wallahi mes frères, même si ces défauts-là, ils n'étaient même pas justifiés. Si on envisage le fait qu'il avait des défauts, en citant en parallèle ses qualités, les gens ne seraient jamais sortis contre lui. C'est ce que font exactement les gens à notre époque, en parlant de un tel et tel, le roi un tel a fait ceci. Ou alors les gens montent sur le minbar
يا فلان يا حاكم فاعلم أنك كذا وكذا وكذا، فاعلم أنك ظالم سارق شيطان sur le minbar ou à travers les journaux ou à travers les revues ou sur les chaînes de télé. Est-ce que ceci fait partie de la voix des gens de la sunna? Non. Bien au contraire, on est à l'opposé des gens de la sunna sur ces principes-là. Non. Est-ce que ceci ramène un bien derrière? Est-ce que ceci réforme la chose? Non. Ceci ne ramène que des que de l'anarchie et du désordre, comme nous citerons un peu plus tard une parole de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, qui vient dénoncer ceci aussi et rappeler les principes de base des gens de la sunna concernant ces problématiques. Donc, nashru mahasinihim, évoquer, propager leurs choses bien. Mais les gens de l'errance et de l'innovation mettaient l'accent sur ses défauts afin de créer quoi? La rébellion contre lui. Et d'occasionner la rébellion contre lui. Donc, il faut faire attention à ceci. Une chose est claire, mes frères, c'est que lorsqu'on cache ses défauts, ça ne veut pas dire qu'on se tait sur le haram et qu'on laisse passer le haram. Ça ne veut pas dire ça. Mais cacher ses défauts, ça veut dire en fait que ces défauts, ils ne doivent pas être mis au grand jour ou être répercutés, répertoriés sur les différentes tribunes. Celui qui doit justement rappeler à l'ordre le hakim, ce sont les savants et les gens doués d'expérience et de clairvoyance. Et l'ulama ou azaoul basira. L'an al-alim, l'an al-jahil afwal. Ida takallama ma'al hakim ala bab al-munasaha. Farubbama qad ya'muru bin munkar wa yanhan al-ma'ruf. Naam. Le jahil, lorsqu'il parle et qu'il veut faire nasiha au hakim, au gouverneur, il se peut que par son ignorance, il fasse tout le contraire de ce qui est demandé. Il appelle au mal, il appelle au réprouvable et il réprouve le bien et le convenable. Vous avez compris? De par son ignorance, il n'a pas le recul nécessaire et la science nécessaire pour pouvoir prodiguer le bon conseil au gouverneur. Donc ce sont les savants, c'est quelque chose qui est réservé aux savants. Et wallah mes frères, vous ne serez pas jugés là-dessus yawm al-qiyama. Par contre, vous serez jugés si vous parlez à tort et à travers sur le gouverneur alors qu'on vous a demandé de vous taire. Donc, le bon conseil prodigué au gouverneur, ce n'est pas votre responsabilité. C'est la responsabilité des savants. Et c'est eux qui seront jugés yawm al-qiyama sur ceci. Donc mes frères, préservez votre langue, préservez vos mains de ces choses-là. On cache ses défauts et ça ne veut pas dire, bien sûr, se taire sur le haram. Bien sûr, mais les savants réfutent sur le haram. D'accord? Mais ceci, ça se fait, comme on va le voir, Inch'Allah, entre le savant et le gouverneur, dans des assises restreintes et privées. Imaginez-vous, mes frères, que Al-Munasaha, le conseil, il est donné devant tout le monde. Imaginez-vous qu'une personne vienne devant, parle devant des milliers de gens, et le gouverneur, il est là, par exemple, il lui dit, « Yayu al-Hakim, inni laka nasihun. Oh, un tel, gouverneur, je suis pour toi un bon conseiller. » Et il commence à lui faire une nasiha sur des choses répréhensibles qu'il a pu commettre. Si le gouverneur, il se soumet, il dit naam, qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Ils vont dire, le gouverneur, il s'est humilié. Khada'a wazal. Il s'est humilié, et c'est quelqu'un de faible. C'est comme ça qu'ils vont penser, les gens. Et si le gouverneur, il ne s'en tient pas, cette moulinsara, il ne l'accepte pas, que vont dire les gens? Faqad tamarrad al-hakim wa asa. Le hakim, tamarrad, ça veut dire il a réprouvé sa parole et il a désobéi et il n'accepte pas le bon conseil. Donc dans les deux cas, les gens ils vont juger sur lui d'une façon non convenable. La masse des gens, mes frères, ils n'ont pas la science nécessaire pour apprécier ces choses-là. Donc il faut tenir compte de ceci. C'est pour ceci que Al-Munasaha, le bon conseil, est prodigué au gouverneur dans des assises privées. Non, et jamais en public. Non, les frères. Allez. Et bien sûr, parmi le bon conseil envers les gouverneurs, le fait de ne pas se rebeller contre eux, comme nous l'avions déjà cité à maintes et maintes reprises, que ce soit par la langue ou que ce soit par l'épée. On revient au livre. Donc par rapport à ce hadith-là, il dit l'imam al-Nawawi, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, fi sharhihi ala sahih muslim, wa amma an-nasihatu li a'immati al-muslimin, fa mu'awanatuhum ala al-haqqi wa ta'atuhum fihi,
وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. Ce qui signifie, l'imam al-Nawawi explique dans l'explication de ce hadith, je vous rappelle que l'imam al-Nawawi, qui est un imam du 7e siècle de l'Égypte, entre le 6e et le 7e siècle, a dit dans l'explication de Sahih Muslim, quant à la nasiha au gouverneur, donc vous voyez très bien que je ne traduis pas le mot nasiha par bon conseil, mais c'est bien plus vaste que ça, d'accord? Ça implique une croyance des actes et, bien sûr, des paroles. Quant à la nasiha au gouverneur, elle consiste à les appuyer et les soutenir dans la vérité et leur obéir dans celle-ci. Les ordonner à ce qu'ils s'y appliquent, les mettre en garde et les rappeler avec douceur et gentillesse. Hein? Tout le contraire de ce que font les gens qui suivent leur passion. Leur rappeler ce sur quoi ils sont négligents et ce qui ne leur est pas parvenu concernant les droits des musulmans. Hein? Il se peut que le gouverneur soit ignorant sur certaines choses concernant Ra'iya, c'est-à-dire certains endroits dans son pays où les droits des gens sont bafoués. Donc, ça fait partie de Nasiha à ceux qui sont autour du gouverneur de rappeler ceci au gouverneur afin qu'il rectifie ces choses-là. D'accord ? Aussi, ne pas se révolter contre eux et rallier les cœurs des gens à eux. Ça, c'est très important, mes frères. Rallier le cœur des gens à eux. Comment ? Justement, en évoquant leurs qualités et les choses bien qu'ils ont faites et en évitant d'évoquer leurs défauts aux yeux de tout le monde. L'âme. Il est clair et net, mes frères, que si on occasionne, si des gens occasionnent entre la masse des gens et le gouverneur la haine et l'aversion, ils ne vont plus lui obéir. Il n'aura plus aucune crédibilité aux yeux des gens. Alors que si au contraire, on rallie les cœurs des gens à ce gouverneur, toute proportion gardée bien sûr, dans ce cas-là, les gens seront plus à même de lui obéir, de l'écouter, et la stabilité du pays s'en verra affirmée et consolidée. يقول الإمام الخطابي رحمة الله تبارك وتعالى عليه ومن النصيحة لهم أي لأئمة المسلمين الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وألا يغغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور. الإمام الخطابي nous dit, il fait aussi partie du bon conseil envers les gouverneurs, la prière derrière eux, le djihad avec eux, leur faire parvenir les aumônes, ne pas se révolter contre eux avec l'épée lorsqu'apparaît chez eux l'injustice et le mauvais comportement, et qu'ils ne soient pas trompés par des éloges mensongères sur eux, et qu'on invoque Allah en leur faveur et pas en leur défaveur. Il préférera, mes frères, pour les maslahat al-jami'a, pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt des musulmans, il est préférable d'invoquer Allah en leur faveur, qu'Allah les réforme, qu'Allah les guide, qu'Allah les raffermisse sur la vérité, plutôt que d'invoquer la malédiction, etc., etc., sur eux, comme le font les gens actuellement. Donc, invoquer Allah en leur faveur. Et tout ceci, si l'on considère que les imams des musulmans sont les califes et autres personnes qui dirigent les affaires des musulmans dans les différentes gouvernances. Voilà ce qui est connu, entre parenthèses, ce qui est connu chez les gens de la sunna. هذا كلام الإمام الخطابي. طيب. وجاء في الحديث الذي مر ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. هذا حديث nous avions déjà expliqué, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, trois choses par lesquelles personne ne sera touché ni par la haine, ni par la rancœur, la trahison ou le mal. Ça dépend la version du hadith sur laquelle on s'appuie. Car il y a trois versions du hadith différentes. Il y a yurillu, yarillu, wa yarillu. Donc yurillu min al-ighlal, comme a dit Ibn al-Athir. Wa al-ighlal, huwa al-khiyanatu fi kulli shay'in.
D'accord? Donc c'est la trahison. C'est le fait que tu es enclin à trahir ton prochain, et en l'occurrence ici, le gouverneur. Ou yarillu min al-ghilli wal ghillu ma huwa al-haqd wa shahna. C'est la rancœur et la haine envers quelqu'un. Wa yarillu min al-wughul ad-dukhul fi ash-shahr. Wa ad-dukhul fi ash-shahr, c'est le fait de s'adonner au mal et de rentrer dans le mal. Non? Les trois formes, les trois termes, ils ont été évoqués, les trois hadiths sont authentiques. Trois choses par lesquelles ne sera touché par la haine, la rancœur, la trahison ou le mal le cœur d'un musulman. La première, la sincérité des actes envers Allah. Deuxièmement, le bon conseil envers les dirigeants des musulmans. Et troisièmement, l'attachement au groupe, car leur invocation englobe certes ceux qui sont venus après eux. C'est un hadith qui est important, mes frères, car dans ce hadith-là, nous voyons que, comme va l'expliquer Ibn al-Qayyim al-Jawziya, munasahatu a'immatil muslimin, lorsqu'une personne elle prodigue un nasiha, et on a vu que un nasiha c'est quoi? C'est lorsque tu souhaites le bien pour ton frère et que tu fais tous les efforts pour que ce bien-là lui parvienne. Non? Que ce soit avec ton cœur, ta langue ou tes actes ou les actes de ton corps. Celui qui prodigue un nasiha au gouverneur, il sera préservé de quoi? De la trahison. Il sera préservé de quoi? De la rancœur et la haine envers lui. Il sera préservé aussi de tout mal. Non? Comme va l'expliquer Ibn al-Qayyim al-Jawziya, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Yaqulu Ibn al-Qayyim, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, mu'alliqan ala hadha al-hadith. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa munasahatu a'immatil muslimin, hadha aydan, مناف للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. نعم الغل. Concernant la nasiha envers les gouverneurs, ceci aussi vient annihiler la rancœur et la trahison, car la nasiha ne peut s'unir avec la trahison car elle est à son opposé. Non. C'est impossible que tu veuilles le bien pour ton frère et en même temps tu as de la rancœur envers lui. Non. Celui qui prodigue la nasiha au gouverneur et à la communauté sera préservé de la trahison. Celui qui veut trahir une personne, il va lui donner des mauvais conseils. Donc celui qui a ce souci-là de faire en sorte que la situation du gouverneur, sa situation personnelle, sa relation avec Allah et avec les gens s'améliore, cette personne-là, elle ne va pas chercher à le trahir, bien au contraire. Non. Donc ici, on a deux opposés. Un nasiha et de l'autre côté, on a un rishu, ou un rillu, ou un wuhul. Non. Et Ibn al-Qayyim nous dit aussi, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa luzumu jama'atihim, hadha aydan mimma yutahhiru al-qalba min al-ghilli wal-ghish. Fa inna sahibahu yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, ويكره لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويصغره ما يصغرهم. Ibn al-Qayyim nous dit aussi, et sa parole, la parole du prophète, l'attachement au groupe, ceci aussi vient purifier le cœur de la haine et de la trahison. Car la personne du groupe aime pour eux ce qu'il aime pour lui et déteste pour eux ce qu'il déteste pour lui. Celui qui le nuit leur nuit et celui qui le réjouit leur réjouit. Non, les réjouit, ça fait. Celui qui est attaché au groupe des musulmans, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un seul et même corps. Quand un des membres est touché, c'est tout le corps qui est touché par l'insomnie et la fièvre. Donc, le musulman qui est attaché au groupe, il est dans cette optique-là. Si le gouverneur est dans mauvaise posture, il est touché par ceci. Donc, il va faire en sorte de réformer cette situation en lui prodiguant le bon conseil. D'accord ? En lui obéissant dans ce qui est convenable, d'accord, en évitant ce qu'il nous a interdit et en faisant des doa pour lui. Retenez bien ceci, car كما هو معروف هذه المسائل أدرجت في كتب العقيدة نعم ليتميز بها أهل السنة والجماعة عن الخوارج والمعتزلة لأن الخروج على الحاكم من أصول مذهبهم. D'accord. Il faut savoir que ces choses-là, mes frères, ils ont été introduits dans les livres de Aqida, bien que ce sont des masailles fiqhiyah. Pourquoi? Car les gens de la Sunna se distinguent et se différencient
des Mu'tazila ou Al-Khawarij, qui voient eux parmi les fondements de leur religion la révolte contre les gouverneurs. Donc les gens de la Sunna sont à l'opposé de ceci. D'où l'importance de connaître ces choses-là. Et voilà la raison pour laquelle ils ont introduit ce principe de jurisprudence dans les livres de Aqida. Naam les frères. يقول المؤلف donc page 282 en bas du livre ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبه غش ولا حقد ولا غل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغل عليهن قلب مسلم. Donc le sens de ce hadith, c'est trois choses. Celui qui s'y tient, son cœur ne sera touché ni par la trahison ou la tromperie, ni la haine, ni le mal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cœur du musulman ne sera touché par ceci, celui qui s'en tient à ces trois choses-là. Sur cette base-là, وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الذين يتبعون منهاج النبوة والذين يسيرون على منهاج السلف الصالح لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه. Très important mes frères aussi, cette chose là, sur cette base là, sur la base de ce hadith, les gens de la sunna et du groupe, ceux qui suivent la voie prophétique, ceux qui cheminent sur la voie des pieux prédécesseurs, ne considèrent le jihad qu'avec le chef des croyants et par son autorisation. Non pas par des groupuscules djihadistes comme on le voit à notre époque. Chacun met en place un imam, chacun relève un étendard et chacun combat pour sa propre cause. Ceci ne fait pas partie de l'islam. L'islam est innocent de ceci. Mais le djihad se fait avec le gouverneur, au même titre que n'importe quel pays de mécréants qui a sa propre armée, l'arme, et qui entame des expéditions, des offensives militaires par ordre du président ou du roi du pays. Le djihad, il est légiféré que sous l'étendard du gouverneur, Wali al-Amr. Donc l'autorisation ne doit se faire que par le gouverneur. Donc lorsque vous voyez tous ces gens-là à notre époque, qui proclament le djihad à tort et à travers, sur les différentes tribunes, montrent les gros bras, et nous montrent qu'ils sont courageux, et nous montrent que ce sont des hommes, etc., etc., sachez mes frères que, avant toute chose, leur djihad, il n'est pas légiféré au regard des textes religieux. N'am les frères. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. حديث متفق عليه. لقد سبق تخريجه في دروس ماضية. Donc ici le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui certes, d'après le hadith de Abu Huraira, celui qui m'obéit a certes obéi à Allah. Et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah. Celui qui obéit à mon gouverneur m'a certes obéi. Et celui qui désobéit à mon gouverneur m'a certes désobéi. Certes, l'imam est comme un bouclier duquel on combat derrière lui et par lequel on se protège. C'est un texte clair, mes frères, qui nous prouve que le djihad est légiféré que derrière un imam shari, un imam légitime, sur lequel tu as une allégeance. Hadith qui est authentique. يقول المؤلف والجنة مثل الدرع يستجن به أي هو وقاية يقاتل من ورائه ويتقى به. Donc il dit que al-junna, comme cité dans le hadith, est comparable au bouclier duquel on se cache derrière. C'est une protection. Ils combattent derrière lui et ils se protègent par lui. Le prophète a voulu dire aussi que lorsqu'une personne elle combat derrière un imam légitime, s'il meurt durant le combat, bien sûr, il faut que son cœur et que son intention a été d'élever la parole d'Allah la plus haute, cette personne-là, Inch'Allah, mourra fi sabilillah. Amma celui qui combat sous un étendard autre que celui du gouverneur, sur un étendard qu'il a levé lui-même, où il s'est autoproclamé émir, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, celui-là
ne mourra pas fi sabilillah. Et bien sûr, son sort revient à Allah tabarak wa ta'ala le jour du jugement. Wa aydan yani bi nisbati al-amir wa aydan yahfazuna zimmatahu. Et ça aussi, mes frères, je vous demande toute votre attention sur ce point-là, car ça aussi, c'est une chose, wallahi, mes frères, qui a occasionné à notre époque beaucoup de dégâts. Wa aydan yahfazuna zimmatahu fala ya'taduna 'ala al-mu'ahhadin li'annahum fi zimmatihi wa kadhalika al-musta'man الذي له عقد الأمان فالذي يطلب الأمانة ويدخل بلاد المسلمين يدخل بإذن وهذا عقد أمان له لا يجوز الاعتداء عليه لأنه من المستأمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ 40 عَامًا أخرجه البخاري وغيره وهو حديث صحيح صحيح. Ici, le mu'alif met le doigt sur un point très important où il dit aussi, la personne, elle se doit de préserver ses engagements, les engagements que le gouverneur a pris envers différentes personnes. Il n'agresse pas des personnes sous pacte. Quelles sont ces personnes sous pacte? Al-Mu'ahad, c'est une personne qui soit musulman ou mécréant, qui a fait un pacte avec le gouverneur, un pacte, une trêve, un pacte de conciliation temporaire, quelle que soit la durée. Dès lors qu'il est sous pacte avec le gouverneur, fahuwa ala zimmatihi, il est sous sa responsabilité. Il t'est interdit, toi, en tant que citoyen, ou en tant qu'individu sous la tutelle du gouverneur, d'intenter dans la personne, dans le sang ou dans les biens ou dans l'honneur de cette personne qui a un pacte avec le gouverneur. Non ? Interdit. Même si c'est un mécréant. Wa kadhalika, de même celui qui est entré sous sécurité du gouverneur. Des personnes, par exemple, on pourrait donner une analogie très simple à notre époque, des touristes. Des touristes qui viennent dans les pays musulmans. Bien sûr, il y a des choses répréhensibles, les frères. Walakin, la responsabilité, elle revient sur qui? Sur les épaules de qui? Du gouverneur. Vous n'êtes pas responsable de ceci. Si des touristes rentrent dans un pays musulman et qu'ils s'adonnent à toutes sortes de choses haram, qui c'est qui prend la responsabilité de tout ceci? Ajibouya quoi? Le gouverneur. Naam, les frères? Donc ici, Mualif nous dit, de même, celui qui est entré sous sécurité du gouverneur, quand il rentre sous sécurité, il rentre avec un passeport, avec un visa. Ça, c'est un pacte. C'est une chose, comme un engagement, qui nous montre que cette personne-là, elle rentre en sécurité, elle est sous la responsabilité du gouverneur, on n'a pas le droit d'intenter à sa personne, à son honneur et à ses biens. D'accord, les frères? Non. Celui qui a un pacte de sécurité, c'est celui qui demande, lorsqu'il rentre dans un pays, la sécurité. Il rentre par autorisation du gouverneur. Il n'est donc pas permis d'intenter à cette personne sous pacte avec le gouverneur. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, celui qui tue une personne sous pacte ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son parfum est détectable et décelable à une distance de 40 ans de marche. Celui qui tue une personne qui est sous pacte, et qui sous la responsabilité du gouverneur, qui le tue volontairement, cette personne-là ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est décelable à une odeur à une distance de 40 ans de marche. Hada wa'idun shadid. C'est une menace sévère. J'ai en tête les attentats de Khobar, en Arabie Saoudite, des chrétiens qui étaient dans un lieu fermé. Certes, ils s'adonnaient à toutes sortes de haram, Allahu a'lam, non ? Walakin, il y a eu des attentats contre eux. Il y a eu des civils même musulmans qui ont été tués à la suite de ces explosions. Alors que ces gens-là, ils sont rentrés sous le pacte et sous l'autorisation du gouverneur. Donc c'est strictement interdit, c'est même très très grave. Et le prophète a vraiment mis en garde contre ce genre d'exaction. Non, les frères ? Donc, importance de connaître les fondements qui régissent toutes ces masaïdes, toutes ces problématiques,
afin d'être sur une clairvoyance, une guise claire, non, au regard des textes du livre d'Allah, sallallahu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas suivre les passions, et ne pas juger les choses avec passion et nos sentiments. Non. Car si on faisait ainsi, hein, on va retourner la terre entière, si on devait juger qu'avec nos passions, vu le haram qu'on voit devant nos yeux. Walakin, il faut faire preuve de mesure, comme on va le citer plus tard d'une parole de Charles Asseymin, hein, il faut savoir se maîtriser, mettre les passions de côté, la rancœur de côté, les choses qui nous gênent de côté, et vraiment s'attacher aux textes religieux et ne pas dépasser. Non. Le succès de bienfait, la réforme réside dans ceci, Inch'Allah, au tabarak wa ta'ala. Donc retenez bien ce point important, mes frères. Non. Ne vous offusquez pas lorsque vous voyez des gens, quels qu'ils soient, musulmans ou non musulmans, qui rentrent dans un pays par autorisation du gouverneur, non, et qui font toutes sortes de choses répréhensibles, même si ça nous touche, même si on réprouve ceci par notre cœur, car ça fait partie de la foi, non, walakin, sachez que la responsabilité, elle n'est pas sur nos épaules. La responsabilité, elle est sur le gouverneur, non, et le gouverneur. Et les savants, bien sûr, qui doivent aussi conseiller le gouverneur sur ce genre de choses-là. Amma awam al-muslimin, le commun des musulmans, ils n'ont pas à rentrer dans ce genre de choses-là et rentrer dans ce genre de problématiques. Je vais aller un peu plus loin dans le livre et ensuite je reviendrai sur la page 285 car j'ai envie de terminer le mas'alati mouna sahti a'immatil muslimin. Donc un peu plus loin, à la page 289, à la fin de la page 289, يقول المؤلف وأيضا إذا كان الإنسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك هل يكون هذا نصحا للحاكم الحاكم عفوا هذا سؤال يطرح على الجميع نعم donc ici il dit aussi lorsque la personne sur ses dirigeants parle sur ses dirigeants sur les manabir. Manabir, c'est des minbar, par exemple, dans la mosquée. Le khutbah du Jumu'a, il déballe. Ça, j'en ai déjà vécu une comme ça. Et franchement, mes frères, vous ressortez du Jumu'a, vous n'avez rien appris. Non. Vous n'avez rien appris du tout. Ça n'a fait que causer de la polémique, du désordre, rien de plus. Non. Donc, lorsque la personne part sur ses dirigeants sur le minbar, dans des assemblées générales, en public ou autres, au Parlement, par exemple, ou autre. Est-ce que ceci relève du bon conseil prodigué au gouverneur? Question intéressante. Si, يعني, إذا احتج محتج أو وقال قائل هي كلمة حق عند سلطان جائر. هذا يا أخوتي الكلام حديث صحيح يستدل به أهل الزيغ وأهل الأهوى على مناصحة الحكام أمام الناس وأمام الجميع. نعم ويقولون أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هكذا يقولون. ولا نخاف في الله لومة لائم كما يقولون. Donc ils disent quoi? Ils disent, ils rapportent un hadith du prophète, ces gens-là, qui est authentique. Ils le comprennent mal. Ils le comprennent mal. Et ils utilisent ce hadith-là pour justifier justement le fait qu'ils parlent devant tout le monde et qu'ils déballent leur haine et leur rancœur sur le gouverneur. Non. Donc il dit aussi, si une personne venait à argumenter ou bien dire, c'est une parole de vérité, ce qu'on est en train de faire, c'est une parole de vérité. Kalimat haqqin. Nam, on dit la vérité, on n'a pas peur. Nam, nahnu rijal, comme ils disent, on est des hommes et on n'a pas peur de toute personne qui viendrait nous critiquer. Ici, cher Raslan nous dit quoi? Il nous dit, wa yaqulu kalimata حق في زقاق وعلى منبر بزاوية بقرية فإذا سمع حسا طار ويقمص كما يقمص الحمار. Il dit, cher Aslan, cette personne-là qui va montrer de la bravoure, une espèce de courage, il dira cette parole de vérité où ça? Dans une ruelle, sur le minbar, dans un coin, dans une ville. Mais lorsqu'il entend un bruit, il s'enfuit et il s'effarouche à la manière des ânes. Ça, c'est du vécu, mes frères. Ça, c'est pour dire en fait que ces personnes-là, elles parlent,
Mais lorsqu'il faut affronter les services d'ordre, c'est les premiers à fuir. Lorsque les vrais problèmes arrivent et qu'ils sont confrontés à la réalité des choses, ce sont les premiers qui fuient. Naam, ils s'effarouchent comme s'effarouchent les ânes lorsqu'ils entendent un petit bruit. Naam, c'est la parole de Cheikh Raslan. J'ai voulu la traduire parce que, Inch'Allah, elle reflète bien la réalité des choses. Donc ici, ce hadith, mes frères, il faut l'expliquer. Hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر رواه أبو داود وهو حديث صحيح. Donc le prophète a dit à cette والسلام, le meilleur des jihad, le plus noble, celui qui a le plus de valeur, c'est une parole de vérité auprès d'un sultan ou d'un gouverneur tyran. On va expliquer chacun de ces termes car ce hadith-là, c'est un hadith qui est comme un fondement dans ce mas'ala. Et on va voir comment certaines personnes le comprennent mal. Déjà, le prophète a dit Afdalul jihad. Naam, Afdalul jihad. Antum ta'rifun ya akhwat al-kiram anna al-jihad kama huwa ma'ruf jihadul ma'raka. يخوض الإنسان في معركة الجهاد في سبيل الله يقاتل بالسيف نعم قد يقتل وقد يسلم نعم وقد يتحصل على الغنيمة. Cette personne là elle va sur le champ de bataille, il se peut qu'elle soit tuée, il se peut qu'elle revienne saine et sauve, il se peut qu'elle prenne du butin. Donc إذن في هذه المعركة في احتمال نعم احتمال أن إما أن يرجع سالما إما أن يقتل في المعركة إما أن يتحصل الغنيمة. هناك احتمالات كثيرة. أما الذي يأتي إلى السلطان الجائر ويقول على وجهه كلمة حق فهذا أقرب للهلك من المجاهد في سبيل الله. Cette personne-là qui va voir un sultan tyran, oppresseur, qui est connu pour sa tyrannie, qui tue les gens, ne serait-ce comme Al-Hajjaj ibn Yusuf. Des fois, certains savants à l'époque, ils n'osaient pas lui faire nasiha en privé. Pourquoi? Parce qu'il était connu de lui, qu'il n'acceptait pas de tuer la personne. Donc certains savants s'abstenaient de lui faire nasiha. Cette personne-là qui va voir un tyran oppresseur entre lui et lui, en tête à tête, cette personne-là, elle est plus proche de la mort que celui qui va faire le combat fisabilillah sur le champ de bataille. Naam. Il est plus exposé au halak, comme l'a expliqué Atiyat Salim, il est plus exposé à la perdition que celui qui va être dans le ma'araka. Car celui qui est dans le champ de bataille, il peut revenir sain et sauf. Il peut acquérir le butin de guerre. Il peut avoir la victoire. Ou alors il peut être tué. Donc il y a plusieurs éventualités. Amma, celui qui va devant le gouverneur tyran et qui va lui dire ces quatre vérités, comme on dit, celui-là, sûrement il va se faire châtier, emprisonner ou peut-être même tuer. Non. Celui-là, en général, il ne va pas repartir sain et sauf. Donc c'est en ceci que le prophète a dit « Afdalu jihad ». Il a plus de mérite, car la personne est plus exposée au châtiment et à sa perdition. « Wa kalimatu haqqin ». Ici le prophète a dit « Le meilleur des jihad, c'est une parole de vérité ». On en déduit de cette parole du prophète, kalimatu haqqin, que le bon conseil, il est prodigué que par les savants. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. L'ignorant, de par son ignorance et de par ses passions, va être amené à dire des incohérences et des contre-vérités. Il peut ordonner le mal et interdire le bien, alors qu'il pense faire le bien. Et ceci occasionnera, bien sûr, au final, toutes sortes de méfaits. Ah, mais le savant, il sait parler avec juste mesure et mettre chaque chose à sa place. Il va ordonner le bien et il va réprouver le mal. Donc, kalimatu haqqin, haqqin, i'tibaran bin nusus al-shar'iyya. On regarde des textes religieux. Ce n'est pas ta vérité à toi. C'est la vérité. On regarde des textes religieux. Si le hakim, le sultan, a fait des choses répréhensibles au regard des textes religieux, le savant viendra le voir et lui dira avec gentillesse et douceur, ceci est haram. Ceci n'est pas convenable, ceci est détestable, etc., etc. Et il lui expliquera avec gentillesse et douceur. Non?
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال قال الله envoyé موسى et هارون vers Pharaon qui était un jabbar, qui était un sultan oppresseur, un gouverneur oppresseur. Et Allah leur a demandé d'aller lui et son frère vers lui et de lui prodiguer une parole gentille afin qu'il se rappelle et qu'il éprouve de la crainte envers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc kalimatu haqqin, bien sûr, haqqin i'tibaran bi shar'illah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas faire aussi comme font certaines personnes à notre époque, les mauvais conseillers du gouverneur. Car Cheikh Al-Athaymin, il a dit quoi? Il a dit il y a une différence entre le bon conseiller et le mauvais conseiller. Le bon conseiller, c'est celui qui va te dire la vérité, qui va te rappeler au bien, même si le gouverneur n'est pas d'accord avec ceci. Il ne va pas demander au gouverneur qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu souhaites faire. Il va lui donner un bon conseil, il va dire il faudrait mieux que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Amma le mauvais conseiller, il va demander au gouverneur qu'est-ce que tu souhaites. Le gouverneur, il va dire je souhaite faire ceci et cela. Et le mauvais conseiller va lui dire Arsent, Aofat. Hein, il va lui dire tu as bien fait. Arsent, Arsanallahu alayk. Il va lui prodiguer toutes sortes de flatteries. Alors qu'il sait très bien, pertinemment, il sait pertinemment que ce qu'il est en train de faire, c'est batil, du faux. Pourquoi il fait ceci? Mudahanatan, le sultan, afin de pouvoir accéder à certains postes dans la hiérarchie du pays. Amma, le bon conseiller, parmi les savants et autres, celui-là ne va pas attendre de demander au gouverneur qu'est-ce qu'il veut faire, mais il va le diriger, l'orienter et lui prodiguer les meilleurs conseils afin que le pays, Inch'Allah, s'en voit réformé et consolidé. Aussi, عند, le prophète a dit كلمة حق عند سلطان جائر. طيب السلطان الجائر, الجور, c'est quoi mes frères? الجور, الجور, c'est lorsque une personne elle intente au bien à la personne ou au sang de son prochain ou à l'honneur de son prochain. الجور هو العدوان والاعتداء. Si une personne, si un hakim, il fait des péchés, lui, en sa propre personne, il fait des péchés, mais au niveau de la gérance du pays, il est impeccable. On ne dira pas que c'est un hakim jair. Ou jairun bilafsihi, sahih. Walakin, on ne mettra pas l'étiquette de sultan jair, tyran oppresseur et injuste. D'accord, les frères? Donc ici, lorsque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, inda sultan jair, c'est par rapport à la gérance du pays, comment il gère le pays et comment il gère les gens qui sont sous sa tutelle et sous son allégeance. Amma, ses péchés à lui, c'est entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord? On ne rentre pas dedans. Aussi, inda. Ce qui est important ici à comprendre ce hadith, c'est que le prophète a dit, inda sultan injair, auprès d'un sultan ou d'un gouverneur injuste. Al-indiya, mes frères, al-indiya, auprès, cette kalimat, la inda, elle a toute son importance. Car elle implique forcément qu'il y a une proximité dans le munasaha, dans la prodigation du conseil. Il faut que ça soit en tête à tête, dans des cercles privés, auprès de lui, et pas en public, comme le comprennent certains. Sinon, le prophète n'aurait pas dit ça. Il aurait dit une autre forme. Il n'aurait pas dit inda. Il aurait dit ala sultan injair, par exemple. Il aurait dit c'est une parole de vérité sur un tyran oppresseur. Mais lorsque le prophète il a dit c'est une parole de vérité auprès d'un tyran oppresseur, ceci implique forcément que le bon conseil prodigué ne se fait pas sur le minbar d'une mosquée ou dans les journaux ou à travers des canaux de télévision, satellite ou autre, ou à travers internet, sur les forums ou je ne sais quoi. N'importe quelle tribune, non, ça se fait dans des cercles privés. C'est ce qu'on appelle en arabe al-iddiya, la proximité. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه من نصح أخاه صغرا فقد نصحه وزانه ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. Celui qui prodigue le bon conseil à son frère en secret, celui-là a correctement prodigué son conseil et a embelli la situation. وزانه, il l'a embelli, il l'a rendu encore plus beau. Et celui qui prodigue le conseil en public devant tout le monde, celui-là, alors il aura
rabaissé son frère, avili son frère, et il l'aura enlaidi aux yeux des gens. Est-ce que l'un d'entre nous accepterait qu'une personne nous fasse une nasira en public comme ça? Personne. Non. Que dire alors d'une nasira d'un hakim qui a sous sa tutelle ou sous sa responsabilité des millions de gens? يقول الإمام عطية بن سالم رحمة الله تبارك وتعالى كان غازي لابد الشيخ أمين مختار الشنقيطي il disait إذا قلت للحاكم أمام الجميع يا أيها الحاكم فاعلم أنك كذا وكذا هل هذا من باب الأمر والنصيحة أو من باب التشنيع والفضيحة il dit lorsque tu dis au حاكم devant tout le monde Ya Yul Hakim, sache que tu es comme ça, comme ça, comme ça, injuste, etc., etc. Est-ce que ceci relève du bon conseil que tu lui as prodigué ou alors ceci relève plutôt du dénigrement et de l'humiliation devant les gens? Non, c'est plutôt l'humiliation et le dénigrement devant les gens. Après avoir expliqué ce hadith, je reviens au livre. وَقَدْ ذَكَرَ هِلَالِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ هَذَا كَلَامٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَيَّامٍ سَابِقَةٍ عن ابن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان فقيل له يا أبا معبد أو أعنت على دمه قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه الله المستعان مع أن هذا الرجل رضي الله تبارك له صحبة نعم عبد الله بن عكيم رضي الله تبارك وتعالى عنه له صحبة دوك سيتي ان صحابي Il a dit quoi? D'après Hilal ibn Abi Humayd, qui a rapporté de Ibn Ukaym, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wa afa anhu, il a dit, je ne participerai plus jamais à une effusion de sang après Uthman. On lui demanda, ô Aba Ma'bad, as-tu aidé à faire couler son sang? Il répondit, j'énumérai aux gens ses défauts afin qu'il se fasse tuer, ou afin que son sang soit coulé. Il a regretté, bien sûr, par la suite. Non. Lorsqu'il a constaté les dégâts que ça a occasionné. Oui. Donc mes frères, an-nasiha la takunu illa sighran bayn al-alim wa bayn al-hakim. Non. Amma ammat an-nas la yatadakhaluna fi mithli hadhihi al-umur abadan. Un peu plus loin dans le livre, يقول المؤلف وما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها أولا مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غالة فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين C'est important, mes frères, que je vous ramène toujours les paroles des savants. Même si je sais que ça peut être fastidieux, c'est long, mais c'est important que vous accrochiez aux paroles des savants. D'accord? Pas à mon cours. Raccrochez vos paroles des savants afin que ça soit ancré dans vos esprits et dans vos cœurs. Car les paroles des savants, notamment les paroles des salaf, ce sont des paroles, comme on l'a dit et on le répète, empreintes de science. D'accord? Ce ne sont pas des paroles qui sont basées sur la passion ou sur des avis personnels. Mais il y a toujours une base ou quelque chose qui les rallie au texte religieux. Donc, ce parole-là, c'est une parole qui a rassemblé Ibn Barjas, Abdelkrim Ibn Barjas, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui est un savant contemporain qui est mort. Parmi les paroles qu'il a rapportées, qu'il a compilées, il y a eu ceci. C'est quoi? Il dit concernant les désobéissances des dirigeants, leur désobéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, et toute chose contraire à l'islam, impliquant la mécréance et le fait qu'ils sortent de l'islam, il est obligatoire de respecter ce qui suit. Deux points. Premièrement, leur porter conseil avec douceur, de la façon qui est légiférée, comme on l'a déjà vu. Deuxième chose, les suivre sur ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs
dans la non-dénigration dans les assemblées. Ne pas les dénigrer en public. Troisièmement, croire que cette réprobation du blâmable en public est obligatoire est une grave erreur. Hein, c'est ce que pensent ces gens-là. Et une ignorance évidente. Son auteur, celui qui dit de tels propos, ne mesure pas les conséquences néfastes qui résultent de ses propos. Non, que ce soit dans leur religion ou dans la vie civile. Contrairement à celui dont Allah a illuminé son cœur et qui connaît la voix des pieux prédécesseurs et des grands imams de la religion. Celui-là, bien sûr, ne fera pas ce dénigrement en public. وَمِنْ تَطْبِقَاتِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ Donc ici, le mu'allif ici, il va nous, plus ou moins, nous rapporter quelques exemples, des applications directes de ces principes-là chez nos salafs. وَمِنْ تَطْبِقَاتِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ مَا كَانَ مِنْ صَنِيعِ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَ عَنْهُمَا فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيقِ شَقِيقٍ عن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه قال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه روى البخاري ومسلم Donc ici, Mualif nous dit, quant aux applications de ce fondement chez les salafs, il y a le cas de Oussama ibn Zayd, qui, vous le savez tous, est un des grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Uhib bin Nabi, alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui demanda, pourquoi ne t'introduis-tu pas chez Uthman afin de lui parler ? Naam, lorsqu'il y a des troubles. Il dit, croyez-vous que je ne lui parlerai sans vous le faire entendre. Croyez-vous que je vais lui parler et que vous allez être autour de moi pour écouter ce que je vais dire? Par Allah, je lui ai parlé en aparté en évitant d'ouvrir une porte dont je serai le premier à l'avoir ouverte. C'est-à-dire le fait de parler de Mounasaha en public. Il a dit, Wallah, je lui ai parlé en secret, moi et lui, à la Bab et Mounasaha. Et je n'ai pas envie d'ouvrir une porte. C'est quoi cette porte de mal? C'est le fait de lui faire, de lui prodiguer le conseil devant tout le monde. Il a dit, par Allah, je lui ai parlé en aparté en évitant d'ouvrir une porte dont je serai le premier à l'avoir ouverte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas connu chez les sahabes. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Ibn Hajar, dans l'explication de cette parole, يقول الحافظ في الفتح الباري, في الفتح الباري مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه صغرا فذلك أجدر بالقبول Il dit Oussama voulait signifier radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu voulait signifier qu'il ne voulait pas ouvrir la porte de la réprobation sur l'imam en public non? à cause de sa crainte des mauvaises conséquences mais il montra de la douceur envers lui et le conseilla secrètement et ceci est plus à même d'être accepté. Effectivement, les frères, si la siha est en secret, elle est plus à même d'être acceptée par le gouverneur. D'accord ? يقول الإمام الشوكاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلة الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح الإمام الشوكاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه دي Mais il convient de conseiller le gouverneur lorsque des choses répréhensibles apparaissent de lui dans certaines situations. Il ne doit pas montrer la vulgarité et la disgrâce envers lui. Il ne doit la disgrâce envers lui, Afwan, devant tout le monde. Mais comme ceci est rapporté dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
il doit le prendre par la main. Ça, c'est un hadith que je vais vous citer par la suite, Inch'Allah. Il doit prendre le gouverneur par la main et s'isoler avec lui et lui prodiguer le bon conseil. Il ne doit pas avilir le sultan d'Allah. Naam, les frères. Nous avions déjà évoqué au début du livre, As-Siyar, qu'il n'était pas permis de se révolter contre les dirigeants, même s'ils atteignent dans leur injustice des sommets, tant qu'ils font la prière et qu'une mécréance claire ne s'est pas manifestée à nous venant de leur part. Hadith de Ubadah ibn Samit, radiallahu tabaraka wa ta'ala, bayarnahu ala sami' wa ta'ati, fil manchati wal makra, fil usri wal yusri, wa atharatin alayna, wa an la nunazi'ahu l'amra, illa an tara kufran bawahan, indakum fihi min Allahi burhan. Donc ici, le hadith du prophète, rappelez-vous, il disait, le prophète nous a fait part de l'allégeance sur l'écoute et l'obéissance dans les choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, de gré ou de force, d'accord ? Dans la difficulté ou dans la facilité. Même aussi s'il s'octroie des privilèges, et que l'on ne doit pas disputer son commandement. Sauf si l'on voit en lui une mécréance claire et évidente, comme l'expliquaient les savants, soit on la voit de nos yeux, tarao, soit basée sur une science certaine, ala ilmin mutayaqqan, naam. Kufran bawahan, c'est un kufr, une mécréance qui ne comporte aucune ambiguïté, comme le fait qu'il a insulté Allah ouvertement, ou qu'il dit je suis chrétien, d'accord ? Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur sa mécréance. Et bien sûr, il faut que aussi on ait une preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète sur sa mécréance. Indakum fihi min Allahi burhan. À savoir l'écoute, l'obéissance, ne pas disputer son commandement, patienter avec lui, d'accord ? Même s'il s'octroie des privilèges, même s'il spolie les biens des gens, on patiente. Voilà ce que dit l'imam Shawkani. Wa qala ibn Nuhas, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala fi tanbih al-ghafilin. Tanbih al-ghafilin, c'est un livre d'Ibn Nuhas, qui est un savant du 4e siècle de l'Hégire, entre le 4e siècle et le 5e siècle de l'Hégire, Ad-Dimashqi. Tanbih al-Ghafilin, c'est un livre qui traite des fondements de l'ordonnance du bien et de la réprobation du mal. Kitabun yata'allaku bi usul al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Tanbih al-Ghafilin, c'est un livre de référence. Yaqulu Ibn Nuhas, afwan, wa yakhtar al-kalam ma'a as-sultan fi al-khalwati 'ala al-kalam ma'ahu 'ala ru'us al-ashhad. بل يود لو كلمه صغرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. Il dit, Ibn al-Nahhas, dans Tanbih al-Ghafilin, mais il préfère l'entretien avec le gouverneur dans l'isolement, à l'entretien en public. De même qu'il souhaiterait être en tête à tête avec lui sans une troisième personne, lorsqu'il lui tient propos et lui porte le bon conseil. D'accord ? Non, mes frères, donc ce sont des fondements qui sont bien établis dans notre croyance. Munasahatu a'immatil muslimin sahran. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a qu'à notre époque, ça existait à l'époque chez le Khawarij ou le Mu'tazila, ou qu'à notre époque, awam al muslimin. Tout le monde critique les gouverneurs ouvertement et on a pris inconsciemment, on a pris comme modèle les mécréants dans ceci. Qui eux, sous couvert de démocratie, se permettent de critiquer le président, de l'insulter, de faire des caricatures sur lui, et je ne sais quoi, et de le dénigrer. Parce que ça ne fait pas partie de la religion des musulmans, mes frères. On ne critique pas le gouverneur, car ça, on sait très bien tout le mal que ça entraîne derrière. Écoutez bien maintenant la parole de Cheikh Al-Utsaimin. Vous savez que Cheikh Al-Utsaimin, c'est un savant contemporain. Donc c'est aussi important de connaître et de lire et d'apprendre les propos des savants contemporains qui vivent ces choses-là avec nous. نعم afin d'avoir un peu plus de clarté concernant ces principes. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين المفسدة وأحد Je vais déjà vous traduire ceci. Cheikh Al-Utsaimin nous dit, je vous conjure par Allah
de vous attacher à la compréhension des pieux prédécesseurs concernant le comportement adopté envers les gouverneurs. La personne ne doit pas considérer toute erreur de la part du gouverneur comme un moyen pour se révolter contre lui, exciter les masses ou les gens, et faire fuir les cœurs des détenteurs de l'ordre. Faire fuir le cœur des gens des détenteurs de l'ordre. Non. Car ceci est la corruption même, et une des bases par lesquelles les troubles parmi les gens surviennent. Non. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشغر والفتنة والفوضى وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. Il dit de même que de remplir les cœurs contre les gouverneurs, c'est-à-dire remplir les cœurs de haine, comme on l'avait vu tout à l'heure, le haqd wa shahna, contre les gouverneurs, est une cause qui entraîne le mal, les troubles et l'anarchie. Il en est de même envers les savants, ceux qui occasionnent et entraînent un rabaissement de leur notoriété et de leur statut aux yeux des gens. À force de dénigrer des savants, de les rabaisser, ils n'ont plus aucune crédibilité aux yeux des gens. C'est pour ceci que Ibn Asakir, il dit une parole très célèbre. Il dit لحوم العلماء مسمومة من شمها مريض ومن ذاقها مات. La chair des savants, elle est empoisonnée. Celui qui la sent, il tombera malade. Celui qui la goûte, il mourra. Pourquoi elle est empoisonnée? Déjà, premièrement, tu as fait de la médisance. La médisance en elle-même, c'est un grand péché et tu seras châtié ou tu risqueras d'être châtié dans la tombe et dans l'au-delà pour ceci. Aussi, il y a un deuxième préjudice qui s'ensuit lorsque tu vous parlez sur les savants, c'est que vous êtes en train de rabaisser leur notoriété aux yeux des gens. Alors que eux, ils portent sur leurs épaules Sharia, Sharia Allah. Ils portent le dîn sur leurs épaules. Si tu rabaisses le savant aux yeux des gens, au final, ça va occasionner quoi? Ce que ces assemblées de science seront vides. Tu vas détourner les gens de ces assises et les gens vont aller voir ailleurs. Et ils vont être privés de sa science et de ses bienfaits. Voilà ce que tu as occasionné avec tes propos. Imagine les péchés que tu as portés Yom Al-Qiyamah. Tu vas devoir répondre de tous ces actes. C'est pour ça que les frères, ceux qui parlent sur les savants et les gouverneurs, la médisance sur les savants et les gouverneurs, elle a un degré plus grave qu'une médisance sur le commun des musulmans. Madame les frères, faites attention à ceci, Inch'Allah. Donc c'est ce que dit Inch'Allah Al-Faymin. Dès lors que les savants parleront, les gens n'auront plus confiance en eux. La confiance que tu donnes à un savant lorsqu'il t'octroie la science, lorsqu'il te donne la science. Si tu entends à droite et à gauche des choses répréhensibles sur son savant, qui sont même pas vraies, tu n'auras plus confiance en lui, tu ne pourras plus profiter de sa science. Tu ne tireras aucun bénéfice de ce savant. Tu seras privé de sa science. À cause de qui? À cause de 2-3 imbéciles qui ont parlé comme ça, par passion. Madame les frères, faites attention, gardez votre langue. Donc, dès lors que les savants parleront, les gens n'auront plus confiance en eux. Et si les gouverneurs parlent, alors qu'on les dénigre jour et nuit, matin et soir, les gens s'insurgeront contre leurs propos et ordres, et ceci occasionnera le mal et le désordre au final. Naam les frères. يقول الشرع الثامن فإن الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب. Il dit: ce qui est obligatoire, c'est de considérer la voie des salafs envers leurs gouverneurs. L'homme doit savoir se maîtriser, l'âme les frères, et connaître les conséquences de ses actes. La personne, avant de parler, avant de critiquer un tel ou un tel, il doit savoir se maîtriser, faire preuve de discernement, ne pas dépasser les textes religieux, d'accord, et les lois qui régissent ces principes-là. Et bien sûr, aussi regarder la conséquence de ses actes.
Ça, ce n'est pas bien sûr réservé à ce principe, c'est dans toute chose. Mais plus spécialement dans ceci. Car ici, ce qui est en jeu, c'est l'intérêt commun des musulmans. Tu dénigres un savant, il se peut que des milliers de personnes, voire des millions de personnes derrière, vont être privées de sa science et vont se détourner de ce savant à cause de toi. Imagine ce que tu portes sur tes épaules. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَثُورُ إِنَّمَا يَخْدُمُ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ اسمعوا جيدا فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة ولست أريد بالحكمة السكوت على الخطأ بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. Parole des savants, mes frères, ce sont des paroles en or. Il dit, il faut savoir que celui qui se révolte contre le gouverneur ne fait que servir les intérêts des ennemis de l'islam. Il faut être conscient de ceci. Et il faut savoir, Charles Samin dit, il faut savoir que celui qui se révolte ne fait que servir les intérêts et ennemis de l'islam. La considération n'est pas dans la révolte elle-même et les sentiments personnels, mais elle réside dans la sagesse. Je ne veux pas dire par sagesse se taire devant l'erreur, mais réparer l'erreur afin de réformer, pas pour le simple fait de changer. Naam. Al-Nasiha, les frères, comme le dit Charles Al-Thaymin, le but c'est quoi? C'est qu'au final, il y a une réforme, il y a une amélioration. Si c'est juste pour changer d'un état à un autre, pareil ou pire, c'est pas la peine. Par contre, la Nasiha, elle est prodiguée afin d'améliorer la situation. Donc Charles Al-Thaymin, il dit la situation, le conseiller et celui qui parle pour améliorer la situation, non pas pour le simple fait de la changer. Et enfin, pour terminer, Bab al-Munasaha, يقول المؤلف ويجمع ما مغرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عياض بن غنم رضي الله تبارك وتعالى عنه من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدله علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. نعم رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح صححه شيخنا الألباني وإن ضعفه أهل البدع من التكفيريين ومن لف لفهم. نعم. Donc ici c'est un hadith qui est authentique même si certaines personnes disent que ce hadith il est faible. Notamment chez les gens dans l'errance et dans l'égarement, parmi takfiriyin et autres, qui rendent ce hadith da'if, parce que bien sûr, il ne sert pas leurs intérêts. Donc ici, le prophète a dit, le mu'alif nous dit, tout ce qui a été évoqué est consigné dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après la version de Iyad ibn Ghunm, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a dit, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui souhaite conseiller le gouverneur sur une chose, qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas ouvertement. Non, les frères. Mais qu'il le prenne par sa main et s'isole avec lui. S'il accepte de lui, il en est ainsi. Alhamdulillah. Dans le cas contraire, il a rempli son devoir envers lui. Vous avez compris, les frères? Hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres, Ibn Abi Asim fi Sunna, ou authentifié par Sheikh Al-Albani fi Zilal al-Jannah. Non, mes frères. Je voulais vous, pour terminer ce bab, citer un point qu'a cité le mu'allif concernant la définition de Darul Islam ou Darul Kufr. Non? Et on terminera le cours par ceci, Inch'Allah. On revient sur la page 285. Non. Il y a le mu'allif. وقد عرف الشيخ محمد بن صالح العثيمين دار الإسلام في معرض تعريفه دار الشرك فقال بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. Donc Cheikh Al-Uthaymeen ici a défini la demeure de l'islam. Qu'est-ce que la terre d'islam ou la demeure de l'islam? Et vous verrez que c'est très important et ça a un lien direct avec ce qu'on est en train d'étudier.
lorsqu'il a défini la demeure du shirk, en disant, la terre du shirk est celle où les rites des gens de la mécréance sont établis et pratiqués. Et non les rites des gens de l'islam, comme les adhan, l'appel à la prière en groupe, les fêtes religieuses, le jumu'ah, de manière générale et publique. Yaqul, وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر يعني الأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. Il dit, nous spécifions par de manière générale et publique afin d'exclure de cette définition ce qui est pratiqué de ces rites-là, c'est-à-dire la prière, le Jumu'ah, etc., d'un point de vue restreint, comme c'est le cas dans les pays des mécréants, où il y a des minorités musulmanes, comme en France, en Angleterre, en Belgique, pour des exemples concrets, Inch'Allah, où les minorités de musulmans pratiquent leur religion, là, la prière, le Jumu'ah, etc. Voilà qu'il, d'un point de vue global et public, de manière générale, ce n'est pas la norme en vigueur qui est établie pour le pays. D'accord ? Ça reste des choses restreintes et confinées dans les communautés de ces pays-là, qui restent des minorités, bien sûr. Donc il dit, Cheikh Al-Thaymin, de manière générale et publique, lorsqu'il a défini ceci, terre de shirk, il faut que ces rites de shirk soient pratiqués de manière publique et dans tout le pays. Non ? Afin d'exclure, il dit, afin d'exclure de sa définition ce qui est pratiqué de ces rites-là, de l'islam, d'un point de vue restreint, comme c'est le cas des pays de mécréants où vivent les minorités musulmanes. Ces pays ne sont pas des terres d'islam, par le simple fait que des minorités de musulmans pratiquent certains rites de l'islam. Comme en France, par exemple. On ne peut pas dire de la France que c'est une terre d'islam. Pourquoi ? Car les rites des musulmans qui sont pratiqués, ils sont confinés dans des endroits précis et dans une communauté précise. D'accord ? C'est pas à l'échelle d'un pays entier, comme c'est le cas, par exemple, au Maroc ou en Algérie. Vous avez compris, les frères ? Et on va ramener des paroles des chefs d'islam sur ceci. Quant aux pays musulmans, les terres d'islam, ils sont pratiqués les rites de manière générale et publique. D'accord ? Comme, par exemple, vous allez en Égypte, par exemple, les jours de fête, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, ce sont des jours fériés en Égypte. Là, en Algérie aussi. Le vendredi, c'est un jour, on ne travaille pas, les gens ne travaillent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Jumu'ah, il y a l'Adhan. Et on verra que, en fait, la terre d'islam, elle se définit comment ? Par les gens qui la composent et les rites qui sont appliqués. Là. Cheikh Al-Albani yaqoul, إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل ولكنها على كل حال هي ليست كبلاد كفر بل هي بلاد إسلام. Cheikh Al-Albani nous dit, les terres d'islam de nos jours ne sont pas comme celles d'autrefois. Non, elles ne sont pas similaires en tout point. Mais au final, ces terres d'islam à notre époque, ce ne sont pas des terres de mécréance, mais ce sont bien des terres d'islam. Puis il dit, Cheikh Al-Albani, الأمر كما ذكره ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه في بعض فصول فتاويه أن الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان. Je répète, أن الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان. فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام. وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا. Charles Ben nous dit, la chose est comme l'a cité Ibn Taymiyyah dans certaines explications de ses fatwas, où il dit, les contrées ne se définissent pas par les murs, mais se définissent par leurs habitants. Si la majorité des gens de cette contrée et leur système, le système des lois religieuses et l'islam, c'est alors une terre d'islam, même s'ils jugent par un système non islamique partiel ou en totalité. Vous avez compris, les frères ? Même si les lois en vigueur du pays, officiellement, elles ne sont pas islamiques partiellement ou en totalité, si les gens du pays sont musulmans et entre eux, ils appliquent l'islam avec Sha'a'ir l'islam, fil ghalib, on dit que c'est une terre d'islam.
D'accord? Contrairement à ce que disent certains, à notre époque, qui définissent la terre d'islam par rapport au hakim et les lois qui sont en vigueur dans le pays. Par exemple, ils disent l'Algérie, c'est pas une terre d'islam. Pourquoi? Parce que la charia n'est pas appliquée. La Turquie, c'est pas une terre d'islam. Car les lois ne sont pas appliquées. Les lois de la loi ne sont pas appliquées. Cheikh l'Islam dit le critère à observer et à considérer, ce ne sont pas les lois qui sont appliquées, ce sont la croyance et les rites que pratiquent les gens dans le pays, d'une façon globale et dans la majorité. Naam, les frères. والذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه بقوله في بعض فصول فتاويه هو ما ذكره الشيخ الإسلام في قول من قوله وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. الشيخ الألباني fait allusion ici quand il dit dans certaines explications de ses fatwas du Cheikh Islam et ce qu'a cité Cheikh l'Islam. Le statut d'une terre de mécréance ou d'une terre de foi ou alors d'une terre de pervers n'est pas une caractéristique inhérente, d'accord, à cette terre. Mais c'est une caractéristique passagère relative aux gens qui y demeurent. Comme c'est le cas de Mecca. Mecca, avant la conquête de Mecca, c'était une terre de Dar Kufrin wa Harb. ولما فتحت مكة أصبحت دار إسلام وإيمان. نعم. Donc, on voit bien que cette qualité de terre de mécréance ou terre d'islam, c'est pas une qualité inhérente à la terre. Il se peut que un pays qui était mécréant, si demain tous les habitants ou la majorité des habitants pratiquent l'islam, ça devienne terre d'islam. نعم. وقال في موضع آخر والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم تسير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب. Il dit dans un autre endroit, cher l'islam, les règles et les lois des différentes contrées changent suivant les gens qui les composent. Il se peut qu'une terre de mécréance habitée par des mécréants devienne une terre d'islam dès lors que ses habitants rentrent en islam. Comme ce fut le cas de Mecca, qu'Allah l'honore, qui à ses débuts était une terre de mécréance et de guerre, puisque lorsqu'elle fut conquise, est devenue une terre d'islam. قال الشيخ العثيمين الديار الإسلامية حبها من الإيمان سواء كان وطنك أم لا. L'amour des demeures d'islam fait partie de la foi, qu'il soit ta patrie ou non. Et pourquoi ici, le Mu'allif nous parle de ceci, introduit ce sujet-là, alors qu'on est en train de parler de Munasahat al-Hukam? Tout simplement car je vous ai expliqué au début du cours que Al-Munasaha, mes frères, ce n'est pas juste un conseil que tu donnes par la parole. Mais le fait de défendre ton pays, le fait d'aimer ton pays, de préserver l'intégrité de ton pays, ça fait partie du bon conseil, de Munasaha, que tu prodigues. Naam, les frères? Naam. Donc, il fait partie de la foi d'aimer les terres d'islam. Que ce soit ton pays ou un autre. On n'est pas là pour élever un drapeau plus qu'un autre ou plus aucun autre. Dès lors que c'est une terre d'islam, alhamdoulilah, on se doit de l'aimer car les rites de l'islam y sont pratiqués. L'honneur des musulmans et des femmes musulmanes y est préservé et non bafoué. Donc, c'est important, mes frères. Wa mimma yatawajjabu kama qala al-Sheikh al-Qasimi. جمال الدين القاسمي رحمة الله تبارك وتعالى هو إمام معاصر جمال الدين القاسمي الدمشقي c'est un imam qui est né en 1866 il est mort en 1914 c'est récent. يقول ومما يتوجب كما قال الشيخ القاسمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول يعني فوت de l'impression ici الذي يحاول اغتصابها واحتلالها وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس. Je vais déjà vous traduire ceci. De ce qui est obligatoire, comme le spécifie l'imam al-Qasimi, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, est que le musulman défende la terre d'islam de l'ennemi qui essaie de la spolier et de l'occuper. Qu'il combatte pour elle par ses biens et sa personne afin de préserver les habitants
dans leur pays quant à l'intégrité de leurs rites religieux et adoration envers leur Seigneur, leur retour vers ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire de restituer leurs biens, la préservation de leurs femmes, leurs transactions dans leur vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne, l'éducation de leurs enfants et de leur descendance. Non. Donc il y a cool. من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم والقيام على تربية أولادهم ودغرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم. Donc la personne se doit de défendre tout ceci afin de préserver tout ceci. ثم يقول وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رقانته وعوائده فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله. Pour tout ceci, l'ennemi essayera de s'interposer entre eux et entre eux, les personnes qui composent ce pays, essayant de mettre un terme à la grandeur de leur religion, les empêchant d'adorer leur Seigneur, en spoliant leurs biens et leurs propriétés, en bafouant leurs femmes, en effaçant leur glorieuse histoire, en réduisant leur langue et leurs connaissances religieuses à quoi ? À son charabia et à ses coutumes. Les gens ne reviennent plus aux lois d'Allah, mais ils reviennent à des coutumes locales. Et leur langue, bien sûr, n'est plus la langue Fusra, la langue du Coran, cette langue magnifique. Mais c'est plutôt un dialecte qui a détruit et qui détruit au final toute culture de l'islam et toute connaissance de l'islam. Tout ceci et la plupart de ces choses-là relèvent de ce que souhaite l'ennemi, Al-Rasib. Al-Rasib, c'est-à-dire celui qui vient violer et les biens et les terres des musulmans. Ceci relève de ce que souhaite l'ennemi envers une nation et ses habitants. Pour ceci, il est obligatoire de combattre pour elle, pour la face d'Allah et dans son chemin. Voilà la parole de l'imam Jamal al-Din al-Qasimi. As-Allah tabaraka wa ta'ala an yahfadana wa an yahfadha dinana wa an yubassirana fi umuri dinina wa dunyana. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقل رب زدني علما.